Hey guys, welcome back. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour laquelle vous-même vous avez choisi, puisque je vous ai posé un sondage sur ma page YouTube. Hein. Je vous ai demandé quelle vidéo vous aimeriez voir, soit une vidéo skincare ou parfum, et vous avez répondu parfum. Ça tombe très bien puisque j'ai un parfum de luxe à vous présenter, donc c'est parfait. Mais avant toute chose, n'hésitez pas de commenter, de liker et de partager. Et à titre informatif, sachez que parfois mes vidéos sortiront le dimanche ou le lundi, tout dépend en fait du planning de ma semaine, etc. Mais sachez une chose, toutes les semaines, il y aura au moins une vidéo par semaine. Ouais, j'espère que c'est français ce que j'ai dit. So, let's do it. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez très bien que ma passion première, c'est le make-up et notamment le parfum. J'aime beaucoup le parfum parce que c'est quelque chose vraiment qui est très, très, très personnel, qui a une identité en fait. Et moi, quand je ne porte pas de parfum, sincèrement, je ne suis pas bien. Mais là, dernièrement, je me suis plus orientée vers les parfums de luxe et aussi dans les parfums de niche. Pourquoi? Parce que comme ça me plaît, j'aime vraiment cet environnement-là de parfum, enfin le monde du parfum, vraiment ça me plaît énormément. Je ne dis pas que les parfums qui sont vendus chez Zara, qu'est-ce que je raconte chez Zara? Oui aussi, chez Zara ou Sephora ne sont pas bien, absolument pas, mais de temps en temps j'aime bien aussi avoir un parfum de luxe, voilà, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'évoluer par rapport à ça, après c'est à titre personnel bien entendu, ok? Le parfum de luxe que je vais vous présenter sur ma chaîne est de la marque Byredo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on entend beaucoup parler de cette marque qui est issue d'une marque suédoise qui a été créée en 2006. Et en ce moment, franchement, ils font fureur. Ils font fureur, pardon. Moi, j'ai entendu parler de cette marque déjà sur Instagram, hein, puisque je suis tout le temps sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas de me suivre sur Insta, n'est-ce pas, hein? Ça serait bien que vous veniez me voir, hein, afin de me découvrir au quotidien. Et c'est via Instagram que j'ai découvert la marque, mais plus précisément pour un parfum très très particulier qui est le Bal d'Afrique. Ce parfum, vraiment, il m'attire. Mais quand j'ai voulu en fait me le procurer, c'était un peu compliqué. Et donc du coup, j'ai opté pour ce parfum-là, Blanche. S'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. J'aime beaucoup le packaging. C'est tout ce que j'aime. Vraiment sobre, simple et classe. Voilà. Simple, sobre et classe. Magnifique. Parlons maintenant au niveau de la senteur. On y retrouve du musc et du bois santal. Oui, c'est ça. Bois de santal qui est très, très... comment vous expliquer ça? C'est une odeur qui n'est pas très forte, mais très très subtile, je dirais. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde sente votre parfum, puisque c'est un parfum qui est extrêmement discret. Pour les personnes qui aiment les parfums discrets, sincèrement, je vous le recommande, puisque vous allez vraiment l'apprécier. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup les parfums aussi qui sentent fort. J'aime beaucoup quand je passe, on sent que je porte du parfum. Mais celui-là, ça ne me dérange pas parce que l'odeur, elle est tellement agréable. En fait, c'est une odeur de frais. C'est une odeur de propre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Allez juste le sentir, vraiment. C'est une odeur de propre, de frais. Et c'est réconfortant et c'est rafraîchissant. Vraiment, quand je le porte, moi, je me sens fraîche, en fait. Voilà, tout simplement, je me sens fraîche. Et il sent super bon. En plus, il est vegan. Ça, c'est important quand même de le souligner. Il est vegan. Maintenant, au niveau du prix, je ne vous cache pas que c'est un peu cher. Enfin, on va dire cher, hein, pour un parfum. On est sur du 140 €. Oui, 140 €. C'est vrai que ça paraît extrêmement cher, mais il faut savoir qu'il y a des parfums encore plus chers. Et c'est un parfum quand même de luxe. Hein. Quand on se dirige plus vers les parfums luxueux et vers les parfums de niche, il ne faut pas s'attendre vraiment à un parfum entre 50 et 60 €. Là, on va dire, le max, ça va être 100, je dirais, et un peu plus après.
mais en tout cas, celui-là, il est excellent. J'aime beaucoup l'odeur. C'est pour ça que je ne veux même pas trop le porter. Je l'ai porté quand même, mais là, vous le voyez, focus. Je l'ai porté un peu, mais je ne veux pas le finir parce que voilà, il est trop beau, il est génial. En plus, regardez le bouchon. Hop, quand je l'ouvre, hop, il fait comme ça, et quand je le referme, bam, il est aimanté. Non, au top. Les girls, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous partager mon premier parfum de luxe. Hein. Vraiment, j'en suis contente. Après, c'est vrai que c'est un coût, je vous cache pas. On n'a pas tous les mêmes budgets, mais je pense qu'il faut vraiment aussi essayer de se faire plaisir quand on peut, je dis. Quand on peut pas, c'est clair qu'on peut pas. Voilà, on va pas se mentir. Mais quand on veut se faire plaisir, on veut s'acheter quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, pourquoi pas, quel que soit le prix en fait, hein, du moment que ça nous rend heureux, c'est le plus important, et qu'on est content de l'avoir, c'est le plus important. Moi là, mon objectif, c'est vraiment d'avoir une belle collection de parfums avec une belle déco. Je vous en parlerai, bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, en tout cas, je vous en parlerai, ça c'est sûr. Et quand je me prendrai le parfum Baldafrique aussi, je vous ferai une vidéo, parce que celui-là, c'est un parfum qui m'attire trop. Déjà rien que par le nom, en plus les notes, ça doit sentir trop bon. Bon, je ne l'ai pas encore senti parce que il n'y en avait pas, mais sincèrement, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de vous en parler. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas, je le répète encore, de liker, de partager et de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!